Salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dragon Ball Xenoverse 2 et on va continuer le mode histoire suite à notre dernier épisode où on avait fait donc l'épreuve de l'école de police et j'ai attribué mes points de compétence que j'avais à attribuer et donc maintenant ça va nous permettre de continuer un petit peu ce mode histoire. Alors d'ailleurs, comment se passe ta chasse aux médailles pétées? Waouh, t'as vraiment assuré, génial. Je vais en faire bon usage. Je pourrais les utiliser avec un livre qui m'intéresse, celui avec la... Arrête de regarder comme ça. Trois médailles pétées, cool. Bon. Mira et Toro, nos campagnes n'ont reposé de sitôt. Cela dit, si tu possèdes une grande puissance, mon intuition me dit que tu pourras réussir à déjouer leur plan. Allez, on y va. Ta puissance devient impressionnante. Veux-tu te rendre dans les clubs du temps? Oui. Je veux aller me friter avec ces incapables. Alors, dernier mode histoire, on est arrivé sur la saga Boo, où donc Gohan, avec son potentiel éveillé, se battait contre Super Boo. Et normalement, on devrait se retrouver dans la partie où maintenant il y a Boo avec Gohan et Gotenks absorbés. J'aimerais bien me battre quand même aux côtés de Vegeto, ça serait cool. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Là, si on passe directement à la fin de la saga Boo avec Goku qui balance son Genki Dama, je vais être déçu, là. Ah bah, ça... Pas de Végéto. Et on se retrouve contre Kid Boo. ここへ来たってことは戦う気なんだろう。聞こえるか？世界の人間ども、今ある所で魔人ブーと戦っている戦士がいる。そこでお前たちの力を使い、力を合わせてブーを倒すんだ。 Le costaud a quand même un petit boulot. Là pour le coup. Il m'a contré mon attaque quoi. Thank you.
c'est bon, cinématique. Donc là, c'est le moment où c'est Satan qui pose la question et qui demande aux habitants de la Terre de donner leur pouvoir pour que le gagne Kidama. Donc faudrait faire vite, hein, parce que si on cogne, on est mal. Pas mal aussi cette séquence, hein, quand le Kid Buu prend le Genki-Dama dans le nez avec Sangoku, donc fait une ultime transformation pour pouvoir l'écraser avec ce Genki-Dama, mais... Mais du coup, c'est bizarre par rapport à ce qu'est censé faire l'intervention de Mirai Towa, parce que donc l'ennemi est censé devenir plus fort. Et là, en l'occurrence, il était plus fort, il pourrait contrer le Genki-Dama de Goku et donc nous intervenir en balançant une attaque spéciale de notre cru pour contrer enfin pour aider à Goku à balancer son Genki et désintégrer Kid Buu, mais bon. Donc notre intervention apporter ses fruits. これでひと安心じゃな。早く帰ってこい。トランクスもさっき目を覚ましたところで。待ってください。俺は地獄で見たんです。邪念場の他にもう一人ミラの仲間がいました。どういうこと?奴らの狙いはこれまでの戦いで生まれたダメ 今もその近くにダメージエネルギーを回収してる奴がいるはずです。Ouais, Bardock, t'aimes pas trop l'air. こいつが皆の仲間を名前で奴らの居場所を聞き出しましょう。一緒にやってやる。ちょっと待ちなさい。お前らどこに行くんだ。ここで手を離して落ちたのは。何だ。何なんだい君らは。 破壊しちゃおっかな。まだ倒せないよ。あの仮面の男かなり強かった。まだ。 見てるんだ。ワクワクしてきたぞ。ちょっと待たせてみたら。ほらほら。君。あの顔はバーダックだ。強くなったようだな。お前の底力を見せてみろ。 ミラまで出てくるなんて。俺は出てくる。落ち着け。お前さんがこの歴史には出てきてんじゃろうが。また別の奴が出てきちまった。ギブスがイレブイラつってんじゃねえか。いつまで待たせるんだよ。
Putain, il est costaud, Mira. だから勝つ経験かを。ビルスだろ。この宇宙で最強の破壊神。それだけ少しは寛大になったらどうだ。僕の力を分かっていながらここまで立てる。 Bon, on a vaincu Mira, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Je crois que Mira se transforme. Est-ce que ça va être tout de suite ou est-ce que ça va être dans un autre épisode? Ah bah Beerus s'en mêle, ah bah merde. まずいぞ。全部吹っ飛ばされる。ちょっと待った。時の海王神様。今から奥の手を転送するわ。ビルス様にそれを渡して。 Oh non. これはプリンじゃないか。しかもこんなにたくさん。 暴れるのをやめてくれたら。 その<笑>プリンを全部あげますよ。どうですか？はあ、まあいいだろう。ビルスはその problem avec la bouffe。プリンタイムだ。なあ、ほらにも一個くれねえか。腹減っちまって。ああ、いいぞ。お前も食べるか。いらん。餃子目だな。決着はまた今度。 私にもいただけますか。足りなかったらまた転送しますよ。たくさん作りましたから。ちょっと待ってくださいね。このプリンはどなたが作ったんです。私ですけど。あら、ほら動けんね。あらら、完全に切れちゃってますね。 これはいけません。早く取り押さえないと。あなたにも手伝ってもらいますよ。ボヨン。これは太陽を2個壊しちゃって、同じくらい切れちゃってますね。 En plus, c'est pas comme s'il avait 15 barres de vie, l'ami Beerus, non? On n'est pas couché. アタックを殺到。
Ça passe tout à côté. Mais en fait, Beerus se bat contre Whis aussi. Ah ouais. Allez, on arrive presque au bout là. Fais gaffe parce que moi aussi j'arrive au bout de ma vie. Allez, relève-toi, relève-toi, relève-toi. Bon, que nous réserve la suite de nos aventures?君の料理はもうコリゴリだよ。なんだか疲れちゃったな。帰るか、ウィス。はい。よかった。地球もなんとか破壊されずに済んだみたい。そっちの事情はよく知んねえけど。 Voilà, donc on va rentrer tranquillement au nid du temps. Et on a déjà la saga Beerus. Otsukaresamadeshita. Konkai wa toku ni hiya hiya shimashita yo. Masaka Beerus-sama ga dete kuru nante. Honto kiki ippatsu datta wa ne. Dareka-san no sei de no. Nani yo. 私のプリンがなかったら。しかし、結局ミラも仮面のサイヤ人も逃がしてしまいました。そうね。奴らの手口は分かったんじゃ。もう同じ手は食わんぞ。さて、向こうは次にどう出てくるか。 Un nouvel événement entraîneur est disponible, on va aller jeter un œil et puis on se quittera là-dessus. Alors il est là-bas notre entraîneur, qu'est-ce qu'il y a de nouveau Vegeta ? Ben non, il y a rien. Hein.
Alors c'est peut-être avec... Ouais, d'accord. C'est vrai qu'il y a des missions où les mecs ils demandent des trucs un peu particuliers. Tiens, il y a Boubou qui peut nous entraîner aussi. Ah, est-ce que ce serait pas toi, Piccolo, qui aurait des trucs à m'apprendre ? Bah non. Bon, ben voilà, hein. Je vois rien de particulier. Ah, petit Trunks, qu'est-ce qu'il veut, petit Trunks ? Ah, un combat contre Beerus encore ? Pff, non. Non, là, non, j'ai pas envie maintenant. Alors, on va aller voir ce qui se passe chez Mister Satan, et puis on se quittera là pour cet épisode. Parce que j'ai vu qu'il y avait un truc qui était un peu normal. Chez les Saiyaman, bien évidemment. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces guignols ? Salut ! Ouais, vas-y, vas-y. Ressuscite tous les morts. C'est quoi cette blague encore? Je suis pas un sorcier. Ils sont étranges leur quête. の任務は私と一緒に人命救助だ。倒れている人々を助けていくんだ。ただし邪魔してくる奴もいるぞ。スピーディーに進めるんだ。終わらせない。いいね。ただ終わらせない。ただ終わらせない。 よし、半数の人救助したぞ。なかなかいいペースだ。終わらせない。あ、最後の一人だ。油断せず気を引き締めていくんだぞ。 Allez, on se dépêche. Donika Watane. Kimino Kagade. Ouais, bah j'en ai ressuscité un, alors c'est pas non plus la folie. Hein. Bon, c'est un peu chelou cette mission. Sorega Genkai Datoshitara. Tonda Kitai Hazle Daze. OK les gars. Bon, et ben voilà, on a terminé cette mission, et ben on va se quitter là pour le moment, et puis on se dit à très bientôt pour la suite de nos aventures.
sur Dragon Ball Xenoverse 2 en espérant que donc on ait des nouvelles choses à faire. Enfin, on va continuer sur le mode histoire hein, dans le prochain épisode. Et puis on verra par la suite en tout cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous.